Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Ou jan m konnen ou gen problèm? Et puis ke ou kontan kon sa? Ah, m pa kache di ou. Depi m komanse li bib mwen chak jou a, m santi chaj problèm mwen yo soti sou dom. Oh. Si se kon sa, mwen pou al kouvri achete yon bib. Degaje ou manche. Men, an atandan, ou katan de Radio Télévision d'Espoir? Radio Vision d'Espoir? Oh, mwen te tande yon anons kon sa, oui. Men ki sa se a te di? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télé Vision d'Espoir. Chaque jour, de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi, 5h30, 6h de l'après-midi, samedi, 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Madeleine Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus, amen. Juges, chapitre 16. Samson trahi par Delaïla et prisonnier des Philistins. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, « Samson est arrivé ici » et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, « Au point du jour, nous le tuerons. » Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme de la vallée de Sorek. Elle se nommait Delila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter. » Et nous te donnerons chacun 1100 sicles d'argent. » Delila dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Samson lui dit, « Si on me liait avec 7 cordes fraîches, qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes comme seront un cordon des toupes quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delila dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Delila prit des cordes neuves, avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delila dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi.
tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi ? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner pour ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Delila, voyant qu'il lui avait ouvert son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et, ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir, ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent, « Qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. » Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. Comment il se venge et meurt. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 hommes, hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Psoréa et Eshtaol dans le sépulcre de Manoac, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans.
Juges, chapitre 17. Culte dans la maison de Mika en Éphraïm, le jeune Lévite au service de Mika. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, « Les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations, même à mes oreilles, voici, cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. » Et sa mère dit, « Béni sois mon fils, par l'Éternel. » Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent. Et sa mère dit, « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte, et c'est ainsi que je le rendrai. » Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit 200 cycles d'argent, et elle donna l'argent au fondeur qui en fit une image taillée et une image en fonte. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika avait une maison de Dieu et fit un éphod et des téraphins, et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convint. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit, « D'où viens-tu ? » Il lui répondit, « Je suis Lévite de Bethléem de Juda, et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. » Mika lui dit, « Reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre, et je te donnerai 10 cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. » Et le Lévite entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Mika consacra le Lévite, et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Et Mika dit, « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. » Serviteur de l'Éternel, lumière des nations. Ésaïe chapitre 49. Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes
et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint Israël qui t'a choisi. Le rétablissement d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce je t'exaucerai, et au jour du salut je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'occident, les autres du pays de Sinim. Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'enceindras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit. Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié, qui les a élevés? J'étais resté seul, ceci où était-il? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples. Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mont, et toute chair saura que je suis l'Éternel ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Galates, chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis.
Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être en retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Exhortation à vivre, non selon la chair, mais selon l'esprit. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention
afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.